Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir quelques aspects mathématiques des arbres et des démonstrations qui vont avec. Alors déjà, je rappelle ce qu'est un arbre, hein, c'est un graphe connexe et minimal pour cette propriété, c'est-à-dire qu'il est que si jamais on lui enlève une arête, donc minimal en nombre d'arêtes pour ça, si on jamais on lui enlève une arête, eh bien il n'est plus connexe. Et donc toutes ces arêtes sont des ismes. Donc c'est une autre caractérisation des arbres, c'est-à-dire que tout graphe c'est un graphe connexe dont toutes les arêtes sont des ismes. Okay? Alors quelques évidences à partir de ça. Déjà, un graphe connexe, il est sans cycle, parce que si vous considérez un cycle, lorsque vous enlevez une arête, il reste connexe le graphe. Donc, comme tous les arêtes sont des ismes, il n'y a pas de cycle dans le graphe. Okay? Dans un arbre, on peut dire aussi qu'il existe une seule chaîne entre deux sommets donnés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cycle. Donc si jamais entre A et B, j'ai deux chemins vraiment différents, alors c'est bon. Il y aurait un cycle, je pourrais former entre A et B un cycle, d'accord? Alors il faudrait préciser un petit peu ce que j'entends par deux chaînes différentes, hein. Par exemple, je ne fais pas A, B, etc., d'accord? Si je prends une arête, je la prends une fois, et autres, ok? Voilà, et puis on va voir donc dans cette vidéo la caractérisation des arbres, c'est-à-dire que c'est un arbre, enfin qu'un arbre a un graphe à n sommets, pardon, est un arbre si et seulement si il est connexe et a n-1 arête. Donc voilà, ça c'est la caractérisation importante qu'on va démontrer à la fin de cette vidéo. Donc allons-y pour les premières démonstrations. Donc j'ai mis les propriétés à démontrer tout en haut. Alors déjà, on va voir que si un graphe, pardon, G a tous les sommets de degré au moins 2, alors il possède un cycle. Donc on va faire les démonstrations sous forme d'un algorithme, vous allez voir. Donc je vais considérer un graphe comme ça, donc tous les degrés sont au moins 2, et puis M1 un sommet quelconque. Alors M1, il a plein de voisins, enfin il en a au moins deux, d'accord? Donc je vais aller vers M2, un voisin de M1, et puis je vais colorier l'arête M1, M2. Une fois que je suis en M2, qu'est-ce que je fais? Il a au moins un voisin dont l'arête n'est pas coloriée, puisque je viens de colorier une seule arête, celle de M1, M2, d'accord? Et M2, il est forcément de degré au plus, enfin au moins 2. Donc il a un autre voisin dont l'arête n'est pas coloriée. D'accord? Donc j'appelle M3 l'un de ceux-là, et puis je vais en M3 et je colorie l'arête M2, M3. OK? Donc je colorie l'arête M2, M3, voilà. Et puis je continue comme ça, tant que c'est possible. C'est-à-dire, si jamais je me trouve à un moment donné en MI, alors je regarde tous les voisins de MI par des arêtes qui n'ont pas déjà été coloriées, et puis je vais dans l'un d'entre eux. OK? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma-là? Je suis parti de M1, à chaque fois j'utilise des arêtes, des arêtes, des arêtes, pour l'instant je forme une chaîne hein, jusqu'à MI, l'endroit où je suis actuellement. Je ne prends jamais deux fois la même arête, donc la chaîne elle va être simple, c'est très bien, il n'y a pas d'arêtes qui se répètent. Mais à chaque étape, vous voyez que je dois prendre une arête qui n'a pas été coloriée, comme à chaque étape. Tant que je le fais, je colorie une arête, ça veut dire que le nombre d'arêtes non coloriées, bon, au départ c'est toutes les arêtes, mais à chaque fois il diminue de 1. Et donc, un jour ça va s'arrêter cet algorithme. Hein. À un moment donné, il va y avoir toutes les arêtes coloriées, ou je me retrouve dans MI, et maintenant j'ai que des arêtes coloriées en face de moi. D'accord? Voilà, donc ça, cet algorithme il va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il me donne? Et à la fin, donc, je suis sur un sommet MN. Et donc tous les arêtes incidentes sont coloriées. Donc je viens d'arriver par une arête qui n'était pas coloriée, je viens de la colorier, et puis maintenant tout est coloré, d'accord? Voilà, et là vous pouvez voir que ici on sait qu'on forme forcément quelque part un cycle, d'accord, entre MN, là où je viens d'arriver, et puis l'une des branches qui est déjà coloriée, quoi, de MN. Okay? Voilà donc pour la démonstration de ce premier. Première proposition, donc une proposition qui est purement algorithmique. Donc vous voyez que comme c'est algorithme, j'ai quand même essayé de faire pourquoi il s'arrête, hein, d'accord, à cause de la décroissance du nombre d'arêtes non coloriées. Voilà, et puis je pense que vous voyez bien qu'à la fin, quand on se retrouve devant des arêtes toutes coloriées, et que coloriées ça veut dire qu'on est passé devant, forcément je viens de créer un cycle. Alors on va retenir cette propriété qui nous sera plus utile plus tard, et on va passer à la deuxième. Donc si G est connexe d'ordre n, alors il a au moins n-1 arête. Donc on avait vu ça d'une manière assez intuitive, maintenant on va le faire sérieusement via une récurrence sur l'ordre du graphe. D'accord? Alors récurrence, on va initialiser, pour n égale 1, 2, 3, ça a l'air d'être assez évident, c'est-à-dire que n est égal à 1, il y a un seul sommet, donc il n'y a pas d'arête, il est connexe. Hein. Voilà, un sommet, 0 arête, ok.
n est égal à 2, ça veut dire deux sommets, ben, il me faut au moins une arête. Donc pour n est égal à 2, j'ai bien n moins une arête pour être connexe. Et n est égal à 3, je vois qu'il me faut deux arêtes, donc 3 pour n, 2 pour n moins 1, c'est bon, c'est cohérent. Okay? Donc pour l'initialisation, pas de souci. Maintenant, passons à l'hérédité. Alors, je vais fixer un n plus grand que 2 et je vais supposer que tout graphe connexe d'ordre n admet au moins n moins une arête. D'accord? Et je vais démontrer cette même propriété pour des graphes d'ordre n plus 1, ayant n plus 1 sommet, donc sa propriété, ça veut dire qu'ils ont au moins n arêtes. Okay? Donc allons-y. Eh ben, donc pour ce faire, ben, je vais considérer un graphe quelconque, G', qui a n plus d'un sommet, et je vais démontrer qu'il a au moins n arêtes. D'accord? Donc G' d'ordre n plus 1, et M', c'est son nombre d'arêtes. Okay? Alors comme G' est connexe, ben, tout sommet de G est au moins de degré 1. D'accord? C'est-à-dire que le degré ne peut pas être 0, sinon le sommet il est tout seul, il n'y a pas d'arêtes, et donc le graphe n'est pas connexe, puisque le sommet est tout seul, il ne peut pas être lié à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc tous les sommets sont de degré au moins 1. Alors on va faire une distinction des cas. Si tous les sommets de G sont de degré au moins 2, alors c'est pas la truc précédent, hein, attention, et puis s'ils ne sont pas tous de degré au moins 2, d'accord? Alors on va déjà faire ça. Si jamais les sommets de G' sont tous de degré au moins 2, bah alors bah, je vais faire ma somme des degrés, quoi, d'accord? Donc la somme des degrés sur tous les sommets du graphe, qu'est-ce que ça fait? Bon, on sait que c'est... Donc il y a n sommets et ils sont tous de degré au moins 2. Donc ça, je peux le minorer par 2n, ok? Mais de l'autre côté, je sais par mon théorème que ça fait deux fois le m', le nombre d'arêtes, ok? Voilà, donc 2m' est supérieur ou égal, pardon, à 2n, et donc bah, ça veut dire que n' est plus grand que n, c'est bon. Je sais que mon graphe connexe, dans ce cas-là, il a au moins n arêtes. Okay? Et donc, si ceci, donc c'est une disjonction des cas, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est la négation de la première. Donc qu'est-ce que la négation de la première? Bah, tous les sommets de G' ne sont pas de degré au moins 2. D'accord? C'est-à-dire il existe un sommet de degré strictement plus petit que 2, donc 1 ou 0. Mais ça ne peut pas être 0 parce qu'on a dit ici que les sommets étaient de degré 1. Donc l'hypothèse, la négation du truc en gras, c'est que sinon G' admet au moins un sommet de degré 1. D'accord? Ils ne sont pas tous de degré au moins 2. Okay? Donc je vais l'appeler A celui-ci. D'accord? Et puis qu'est-ce que je vais faire avec G'? Ben, je vais virer le A et puis l'arête qui tient A. D'accord? G', vous voyez que enfin A il est relié pas à G' juste par une seule arête, okay? Puisqu'il est de degré 1. Voilà, donc j'ai répété ici la conclusion d'avant. Et donc je supprime là A et l'arête de G' qui est ayant pour extrémité A. Okay? Donc j'obtiens un graphe G. Alors combien est-ce qu'il a de sommets? Bah, N, hein, puisque G' en avait N plus 1, et je viens d'en tuer 1, je viens de virer A. Okay? Et alors je vois que G, en fait, il est connexe. Pourquoi? Bah, si je prends deux sommets, U et V quelconque de G, d'accord? Bah, dans G', ils étaient liés, hein, puisqu'il était connexe G'. Donc il existait un chemin. Enfin, une chaîne entre U et V, d'accord? Mais cette chaîne, est-ce qu'elle passait par A que je viens de virer? Bah, si elle passait par A, ça voudrait dire qu'elle fait... Alors, U et V, ils ne sont différents de A, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle partait... elle faisait par exemple BAB, d'accord? Puisque une fois que c'est en A, c'est une impasse, il faut que je revienne de l'autre côté, ok? Bah, quitte à concaténer le chemin, hein, d'accord? J'ai pas besoin de passer par A, en fait, d'accord? Voilà, donc G il est connexe parce que aucune chaîne de G' ne passait par A, sauf les chaînes qui devaient aller ou arriver en A, quoi. Voilà, et donc ben je sais que j'ai pas changé la connexité de G', hein, en enlevant A. Ok? Voilà. Et donc on en déduit quoi? On a déduit ben, parmi mon hypothèse de récurrence, G il est d'ordre n, il est connexe, donc il a au moins n moins une arête. D'accord? Et donc G', ben, il a une arête de plus que G, puisque il y avait l'arête de A, justement. Que j'ai éliminé dans G et qui était dans G'. Voilà, et donc ça me dit que G', bah, il est de degré, enfin, il y a au moins n arêtes. OK? Voilà. Et donc on termine la récurrence, on dit que donc la propriété est vraie pour tout graphe d'ordre n plus 1, puisque mon G', il avait absolument rien de particulier dans les graphes de degré n plus 1. OK? Donc la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que je l'ai supposé au degré n, je l'ai démontré au rang n plus 1. Et après, la conclusion, bah, c'est que l'on a démontré par récurrence que tout graphe connexe d'ordre n admet au moins n moins une arête. Okay? Donc voilà pour cette proposition qui est assez évidente. Bon, ben voilà, bien démontré, ça donne ça. Ensuite, on va démontrer que si jamais j'ai un graphe connexe
qui a n sommets et n moins une arête, alors forcément c'est un arbre, ok? Donc je commence en prenant, ben, je considère G un graphe connexe d'ordre n et ayant n moins une arête. Alors la question c'est comment est-ce que je montre à partir de ça que c'est un arbre? Ben, quelle est la définition d'arbre? Alors on a vu qu'il y en avait plusieurs, hein, mais on sait que c'est donc pour être un arbre, il faut qu'il soit connexe et sans cycle, d'accord? Sans cycle, ça résulte du fait que ça soit tous les sommets, tous les arêtes, pardon, sont des ismes, d'accord? Qui elle-même vient du fait que qu'il soit minimum pour la connexité en nombre d'arêtes. Ok? Voilà. Et donc là, c'est assez facile de démontrer, enfin, c'est assez facile. En tout cas, c'est possible de démontrer que il est sans cycle. Alors pour ce faire, justement, ben, je vais raisonner par l'absurde, d'accord? Donc j'ai supposé que G, qui est donc mon graphe connexe d'ordre n ayant n moins une arête, hein, il admet un cycle. Ben, le cycle, c'est M1, M2, M3, Mn, M1. D'accord? Donc ça boucle bien ici. Alors, j'appelle G' le graphe qui est issu de G, dans laquelle je supprime juste l'arête M1, M2. D'accord? Ok, donc je casse le cycle, et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ben alors, quand je regarde une chaîne quelconque entre deux sommets U et V, d'accord? Si jamais elle passait par M1, M2, une chaîne de G, hein, au départ, d'accord? Si jamais elle passe par M1, M2, ben dans G', elle n'existe plus, puisqu'il n'y a plus M1, M2, mais par contre, je peux la recréer, allez hop, en faisant, au lieu de M1, M2, je fais M2, M3, etc., jusqu'à M1. Ok? D'accord? C'est-à-dire, comme entre M1 et M2, il y avait un cycle là, et puis M1, M2, j'ai cassé ça, mais quand j'arrive d'un côté, je peux faire hop, le tour, et je repars de l'autre côté. D'accord? Voilà, donc en fait, les chaînes de G, ben, ce sont aussi des chaînes de G', quitte à, lorsque j'ai M1, M2, l'arête dans la chaîne de G, je la remplace par M2, M3, M4, jusqu'à Mn, et puis M1. Okay, le reste du cycle, voilà. Et ça, c'est une chaîne de G'. Ce qui veut dire que, comme G est connexe, ben G' aussi est connexe. Ça ne change rien à la connexité, ce que je viens de faire en enlevant une arête. Ok? Voilà. Mais alors, s'il est connexe, ben, on a la propriété de tout à l'heure, là, qu'on a démontré juste là. D'accord? S'il est connexe d'ordre N, il a au moins N moins une arête. D'accord? Hop. Voilà, c'est easy. Donc G' est connexe, donc par la propriété précédente, il possède au moins n moins une arête. Okay? Or, je viens de démontrer que G' il est connexe, mais combien il a d'arêtes au fait bah, G il en avait n moins une, et j'ai viré M1, M2, donc il en a n moins 2, il est toujours à n sommet, d'accord? Donc là c'est absurde. Ok, puisque j'ai trouvé un graphe soi-disant connexe et ayant avec n sommets et n moins 2 arêtes. Ok, voilà, donc c'est absurde. Hein. Et donc, bah, qu'est-ce qui est absurde? Bah, c'est l'hypothèse que j'ai supposée ici qui est fausse. Raisonnons par l'absurde et supposons que j'ai admis un cycle machin. D'accord. Donc, bah, la vraie, c'était la négation de l'hypothèse que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai n'admet pas de cycle. D'accord. Et voilà, j'ai démontré que si j'ai un graphe connexe ayant n sommet et n moins une arête, alors bah, il n'a pas de cycle, d'accord? Donc comme il est connexe et son cycle, c'est un arbre. Ok? Voilà pour la deuxième propriété. Troisième propriété, donc le fameux théorème qui nous dit que si G est un arbre ayant n sommets, alors il possède exactement n moins une arête. Donc on va refaire une démonstration par récurrence sur l'entier naturel n, le nombre de sommets, d'accord? Donc je raisonne par récurrence, alors je vais faire un peu moins long que la dernière fois, hein. Donc, je vais dire que c'est évident pour n égale à 1, 2, 3. Pourquoi? Bah, parce que un arbre, avec un sommet, bah, il a 0 arête, ok. Un graphe avec 2 sommets, il a 1 arête. Un arbre avec 3 sommets, bah, il a 2 arêtes. Donc, c'est évident, ok. Hérédité. Je suppose que tous les arbres G ayant n sommets possèdent exactement n moins 1 arête. Et maintenant, je veux démontrer que je prends G' un arbre d'ordre n plus 1 et je veux démontrer qu'il a n arêtes, ok. Donc, allons-y. De deux choses l'une. Soit G possède au moins un sommet de degré... Enfin... Non. Je reprends. On a vu que si jamais tous les degrés du graphe étaient supérieurs ou égaux à 2, alors le graphe admettait un cycle, d'accord? Or, c'est un arbre, donc il n'admet pas de cycle. Donc, il existe au moins un sommet de degré 1 dans G', d'accord? C'est-à-dire strictement plus petit que 2, mais ça peut pas être 0, parce que sinon, c'est pas connexe, et donc c'est pas un arbre. Okay, donc c'est forcément 1, le degré. Okay, donc G' possède au moins un sommet de degré 1, parce que sinon, bah, il aurait un cycle, hein, on a vu, si tous ces sommets sont de degré au moins 2. Alors, c'est quoi un sommet de degré 1? Bah, une feuille, quoi.
Bah c'est donc j'ai A ici, et puis j'ai juste l'arête là qui le rattache au reste de G'. Ok? Bah alors bah je vire je vire A et puis l'arête qui le retient. Ok? Et donc j'obtiens un graphe G d'ordre n qui est toujours un arbre. Pourquoi? Bah parce que pareil, j'ai rien changé dans la structure des cycles, des chaînes plutôt de mon graphe. Alors maintenant G ou G'. Hein. Okay. Toutes les chaînes qui passaient entre U et V, ben, elles continuent de passer entre U et V parce qu'elles n'empruntaient pas forcément, enfin, elles n'empruntaient jamais l'arête qui est, par exemple, BA, d'accord? Parce que sinon, ben, pour continuer à partir de A, il faut repasser à B, d'accord? Donc faire BAB, bon, ben, ça servait à rien. Sauf évidemment les arêtes qui voulaient se terminer en A, auquel cas, ben oui, forcément, ça s'attendra. Okay? Voilà, donc ça veut dire que mon graphe G, il est d'ordre N, puisque G' était d'ordre N plus 1 et je viens de virer un sommet. Et puis donc il est connexe G. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'il a? Il admet n-1 arête. D'accord? Cette n-1 arête, et donc par suite, G possède n arêtes, puisqu'il y a les n-1 de G, plus l'arête AB là, que je viens de supprimer. Okay? Et voilà, et donc ben, ça nous permet de dire que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que si G est un arbre ayant n sommets, alors il possède n-1 arête. Et donc, ben, c'est vrai pour tous les n antinaturels. Okay? Voilà, bon, à partir de 1 quand même. Donc voilà, donc bah, c'est tout pour ces démonstrations de cours. Vous voyez que c'est pas très très long, hein, pas très compliqué non plus. Voilà.